Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Molière à temps plein et à temps partiel, qui voulons comprendre les changements climatiques. Les changements climatiques, le grand minimum solaire, tout ce qui se passe et qu'on ne peut absolument rien y faire. Et ce n'est pas des taxes, des impôts, des règles, des réglementations de notre petite gauche qui vont régler quoi que ce soit et qui vont stopper les changements climatiques d'exister et d'avancer et de changer continuellement. Ces gens-là vivent dans une bulle, une illusion vraiment dangereuse et la population vit dans cette utopie que ces gens-là pourraient de quelque façon que ce soit changer le temps pour nous donner... Qu'est-ce qu'on veut, dans le fond? Encore une fois, la facilité. Encore une fois, le rêve. « Oh, je rêve d'un climat où il va pleuvoir quand je veux qu'il pleuve. Il va faire beau quand je veux qu'il fasse beau. Il va faire frais quand je veux qu'il fasse frais. Il va faire chaud quand je veux qu'il fasse chaud. Il va neiger quand je veux qu'il neige. Voyons, tout tomber ça en tête, le monde! » Et c'est ça qu'on vous promet. Et vous autres, vous tombez dans le panneau. Ces gens-là, vos politiciens adorés, sont des... Vendeur ambulant qui essaye de vous vendre, hein, la facilité, parce que c'est sûr qu'on veut la facilité, la perfection, parce que c'est sûr qu'on veut toute la perfection. C'est sûr qu'idéalement, on voudrait tout être assis sur notre gros cul, rien faire, recevoir des revenus, se loger, s'habiller, manger sans effort. C'est sûr qu'on espère tout ça, mais est-ce que c'est réaliste? C'est ça la question. Et est-ce que c'est possible? C'est ça la question. Mais les sociales médiocres, c'est ça que vous, à chaque élection, à chaque fois qu'ils viennent devant vous, c'est ça qu'ils vous promettent. Et vous autres, naturellement, parce que c'est dans la nature de l'humain. Vous succombez. Oh, mon Dieu, merci. On a nos sauveurs, les bons socialo-communistes. Franchement, ressaisissez-vous. Les changements climatiques sont là, ils sont vraiment, on ne peut pas les nier, mais ils ont toujours été là. Ils seront toujours là. Le CO2 ça n'a rien à voir, le CO2 a toujours été là et dans les moments où il y a eu le plus de froid, les airs glaciaires, c'est là où il y avait le plus de CO2 dans l'air. <laughs> le CO2 est essentiel à la vie et à l'eau. Le méthane, des flatulences de vache, voyons, vous tomber sa tête, vous écoutez les nouveaux démocrates qui poussent, les Alejandro Octavio cortez qui vous disent « la fin du monde c'est dans 12 ans ». On va l'écouter ça. Parce que c'est vraiment essentiel de comprendre hein, tout cet agenda-là. Alejandra, Octavio Cortez, qui va nous dire, mais c'est pour dans 12 ans, si on ne fait pas, si on n'adresse pas tout de suite et on n'affronte pas les changements climatiques, comment tu vas affronter les changements climatiques? 12 ça, c'est notre deuxième guerre mondiale, à nous autres maintenant, notre génération, les gens qui sommes là, les changements climatiques. Ils ont toujours été là, puis ils seront toujours là. Qu'est-ce qui vous plaît pas, les petits gauchistes? Vous n'êtes pas capables de supporter la pluie, le vent, le froid? Qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire? Puis qu'est-ce que vous voulez régler? Mettre un thermostat, un grand parapluie au-dessus de nos têtes pour plus qu'on soit mouillé quand il pleut? Vous a dû tomber ça en tête. Franchement, c'est du délire. Et c'est dangereux, ce délire-là. Parce que ça mène à l'assouvissement, ça mène au contrôle total, ça mène, et oui, à la grande misère, les amis, puis à la grande domination, puis à l'esclavage. Ils seront toujours là. J'aimerais, par contre, que ce petit monde. Elle, si elle était là sur le. D'abord, elle nous dit qu'il reste 12 ans, elle pas l'air trop stressé. Moi, si tu me dis qu'il me reste 12 ans, puis il faut changer toute une planète, puis tout un système. De consommation et de vie, un, un mode de vie, on va dire une chose, ça te prend pas mal plus que 12 ans, je serais pas mal plus énervé, puis je ne serais pas assis sur une scène comme ça, en train de me péter les bretelles, puis être condescendant en vous disant, puis là, tout ce qui vous importe, c'est combien ça va coûter, là? Hein? Hein? Tout ce qui vous importe, c'est combien ça va coûter? Une femme qui n'est même pas capable d'avoir enlevé son étiquette de prix en dessous de sa chaussure. Voyez-vous ici, là? Hein? J'aimerais savoir combien elle a payé cette chaussure, j'aimerais ça zoomer. La prochaine fois que tu t'achètes des chaussures, enlève donc l'étiquette en dessous de la chaussure, premièrement. Deuxièmement, ces gens-là sont tellement condescendants. Écoutez-la, elle dit. Puis vous autres, là, tout ce qui vous importe, là, là la fin du. Si on n'affronte pas les... la question des changements climatiques, qu'est-ce que tu veux? Arrêter le vent? Arrêter la pluie? Arrêter le froid? Qu'est-ce que tu veux faire? Arrêter la neige? Ils sont tombés sans tête, ce monde-là! Complètement délirant à cause de la population qui s'est laissée embarquer dans un délire intellectuel comme celui-là. Is Donc, condescend, est tellement condescendante, puis elle ne dit là, votre plus gros problème, c'est de nous arrêter de dépenser, nous autres, parce que nous autres, on vous a convaincu que c'était la fin du monde dans 12 ans. Là, on va dépenser, mes petits cocos. Oh, puis là, votre, ceux qui s'opposent à nous, Là, vous, autres vous ramenez toujours la question de l'argent. Donc, votre plus grand problème à vous autres, c'est combien ça va coûter tout ça si on veut sauver le monde. <laughs> incroyable. Rationaliser. Voyez-vous vraiment à quel point on est devenu, mais vraiment stupide. Mais vraiment stupide. Ça se peut pas. Donc, l'hiver 2018-2019 a été l'hiver le plus humide de l'histoire des États-Unis. Plus trempé que jamais. Les parapluies et les pelles à, la, à neige ont, été, ont constitué des investissements judicieux au cours des trois derniers mois. L'hiver 2018-2019 a été l'hiver le plus humide jamais enregistré aux États-Unis, selon un rapport publié mercredi par des scientifiques fédéraux. Les climatologues définissent l'hiver comme étant les mois de décembre, janvier et février. Au total, 43 des 48 États du Bas ont enregistré des niveaux de pluie et de neige supérieurs à la moyenne. Pluie et neige. Moi, j'ai un article ici. Voyez-vous l'endoctrinement? Journal de Montréal, 1983. Hey, ça fait combien d'années de ça, là? Plus de 30 ans. En l'an 2000! La neige ne serait pour nous qu'un souvenir selon les prédictions de scientifiques américains. Puis les autres qui reprennent ça comme des jambons, fumés à l'érable. En 1983, on vous dit les Québécois, là, en l'an 2000, la neige, ça va juste être un souvenir. Alors, et en 2019. Puis là, on vient de connaître l'hiver le plus humide aux États-Unis, pour au Canada, c'est pareil. Sauf qu'il y a des endroits où il n'y a pas tant de froid que ça, eux autres, c'est de la pluie. Mais les endroits où il y a du froid, ils ont reçu les quantités de neige les plus historiques. Ben je ne sais pas, là, mais le Journal de Montréal en 1983 nous disait Ben là, il n'y aura plus de neige. Au Tennessee, les pluies colossales ont provoqué des inondations mortelles dans tout l'État en février. Les inondations ont tué quatre personnes en portant des maisons. Et la neige sans fin était une aubaine pour les stations de ski dans la Sierra Nevada. Les 12,8 12 mètres de neige, 12,8, pas centimètres, mètres de neige, qui sont tombés jusqu'à la station de ski Sugar Bowl dans le nord de la Californie, 12,8 mètres. 8 mètres de neige. Mais le neige Chers amis, ressaisissez-vous. Faites de vous des êtres rationnels. On ne vous demande pas beaucoup, là. Puis là, je m'adresse à la population. Ressaisissez-vous. Faites des hommes des femmes de vous, pas des enfants.